Oui, je suis donc le président, et ça, c'est une énorme responsabilité. Bon, je suis comédien, metteur en scène aussi, auteur, ça m'arrive, mais principalement comédien. Alors, mon équipe, je ne connaissais pas tout le monde. Je connais Patrick Péloquet en particulier, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui beaucoup, 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 beaucoup. On a fait 7-8 pièces ensemble, donc on a commencé avec les Trois Mousquetaires, etc. Il y a 2 ans, j'ai fait le rôle du bourgeois gentilhomme avec lui. Et on a fait l'année dernière Inventaire de Mignana. C'est deux mondes et c'est pas deux mondes. C'est deux mondes parce que être professionnel, c'est vraiment un engagement de vie avec le risque d'avoir du travail, de ne pas avoir de travail. C'est vraiment un risque vraiment de vie. Alors l'amateur, lui, il aime. Il aime tout simplement et il fait cette même recherche quelque part, mais souvent avec une forme d'innocence, d'instinct, où il y a moins de risques, il a peut-être moins à prouver et il est peut-être quelque part d'une certaine façon plus en liberté. Les critères, on vient d'en parler quelques minutes, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, c'est on sort d'un spectacle et on. Voilà. Est-ce qu'on a aimé ce paysage intérieur? Est-ce qu'on a reçu quelque chose? J'ai reçu, j'ai pas reçu, comme ça. À l'emporte-pièce, un petit peu, parce que il y a 12, on va en voir un là maintenant, et après il y en a deux dans la journée, et puis ça fera 12 spectacles. Donc il faut garder en mémoire, en vigilance intérieure, notre premier instinct. On va se fier à ça. Et après, on analysera un tout petit peu plus, on fouillera et on arrivera à se dire pourquoi cette personne ou ce groupe peut mériter un prix, mais sans se prendre au sérieux parce on n'aime pas trop les compétitions, hein, et c'est un jeu de la vie, mais un jeu sérieux et amusant à la fois. Merci beaucoup, bon festival. Merci, merci à vous.